Bonjour, je suis Jean Attard, donc l'éditeur d'Apnéa Magazine et l'organisateur d'Apnéa Show. Alors quelques mots sur l'Apnéa Show, c'est un événement qui est tout simplement le festival des activités subaquatiques pratiquées en apnée, dont la pêche sous-marine et l'apnée pure bien sûr. C'est un événement qui a été créé par le magazine Apnéa en 2011 à Cassis, que nous renouvelons cette année à Carry-le-Rouet, où on a reçu de la part de la municipalité une aide et un soutien très, très prometteur pour l'avenir. Je pense que cette édition qui se termine ce soir devrait nous inciter à poursuivre nos efforts pour cet événement qui est inédit et qui rassemble tous les passionnés du monde marin et de l'apnée en particulier. Donc cette édition, comme l'an dernier, a été bâtie autour de trois thèmes principaux. Une exposition de matériel, avec beaucoup de matériel cette année, et des exposants venus d'Espagne, de France et d'Italie. Une projection de films centrée sur Guillaume Néry, qui a été notre invité d'honneur hier après-midi au cinéma de l'espace Fernandel à Carrie, donc une projection très intéressante et des questions-réponses avec un champion qui est vraiment hors norme. Et donc le troisième aspect de l'apnée à chaud, ce sont nos ateliers. L'idée des ateliers d'accès libre et gratuit, comme toute l'expo d'ailleurs, c'est de mettre en relation des gens qui veulent progresser avec des experts de l'apnée dans différents domaines, techniques de respiration, sophrologie, secourisme. Et donc ces ateliers durent 45 minutes et donc pendant 45 minutes on peut écouter quelqu'un qui a une grande connaissance du domaine en question et on peut surtout poser des questions et avoir des réponses immédiates. Donc le côté contact avec ces champions et ces experts, je crois que c'est ce qui assure en partie le succès de l'Apnée à Chaud. Donc Apnée à Chaud 2012 se termine ce soir et fermera ses portes à 18h. Évidemment l'apnée ne s'arrête pas pour autant. L'apnée c'est une actualité toute l'année grâce à Apnée à Magazine qui est un mensuel que tout le monde connaît je pense. Donc j'invite tous les passionnés d'apnée à nous retrouver sur le magazine qui est en vente en kiosque et auquel on peut s'abonner évidemment pendant Apnée à Chaud. Et évidemment le site internet apnéa.fr qui a été lancé ou relancé le 11 janvier dernier vous permet de suivre tout ce qui se passe en apnée, les champions, les compétitions, les stages, les formations, donc 24 heures sur 24. Évidemment ce site et ce magazine vont nous permettre de relayer l'actualité de l'apnée. L'actualité de l'apnée cette année c'est le championnat du monde qui aura lieu à Villefranche-sur-Mer et à Nice au mois de septembre. C'est un très très gros événement. Apnéa Magazine est partenaire de ce championnat du monde. Donc on retrouvera dans le magazine et sur le site toutes les infos liées à ce championnat du monde. C'est l'occasion pour moi de remercier d'abord les visiteurs qui sont venus aujourd'hui, demain et souvent d'ailleurs les deux jours d'affilée parce que je pense qu'il y avait suffisamment de choses à voir pour venir deux fois, de choses à voir ou d'experts à écouter pendant les ateliers. Un grand merci aux exposants, plus nombreux que l'année dernière. Tous ne sont pas encore là. J'ai bon espoir que tous les acteurs du monde de la pêche sous-marine et de l'apnée nous rejoindront en 2013. C'est le vœu que nous formons ce soir. Un merci à la mairie de Carry-le-Rouet qui a fait un gros travail et qui, je pense, a été surprise de la qualité de l'organisation. Et enfin, évidemment, un dernier mot de remerciement pour toute mon équipe qui a beaucoup travaillé sur cet événement depuis plusieurs mois, qui est qui est à pied d'œuvre depuis au moins vendredi matin, mais qui en fait travaille depuis plusieurs semaines sur l'organisation de cet événement. Merci à tous les animateurs d'ateliers. Je vois Stéphane Mifsud à côté de moi qui a attiré énormément de monde. Donc un grand merci à lui et à tous ceux qui ont fait comme lui pendant ces deux jours. Bonjour, moi c'est Stéphane Mifsud, je suis recordman d'apnée statique avec 11 minutes 35. Ici au salon pour communier et partager ma passion avec de nombreuses personnes et avoir fait quelques interventions et partager avec le public. Je passe le micro à mon confrère, Pierre. Confrère, moi c'est Pierre Frolla, je suis recordman du monde en apnée profonde et je suis venu notamment pour présenter ma gamme de produits chez Dessau. On lance une gamme de combinaisons de palmes et mon livre Pirates des Abysses. Je suis venu écouter les conférences de Steph, il avait plein de choses à dire, on s'est bien amusé et on voudrait surtout, parce que c'est important, souhaiter une très très bonne pêche à tous les chasseurs sous-marins pour l'année 2012 et surtout cet été. Vraiment les gars, très très bonne pêche. Ouais. Ramenez-nous du poisson. Oui, beaucoup. Alors le conseil qu'on pourrait donner aujourd'hui,
aujourd'hui ici en qualité de champion, moi je pourrais dire, si vous voulez progresser, faut jamais plonger seul. La sécurité fait partie de la discipline et savoir bien s'encadrer, c'est savoir bien profiter. Pierre ? Oui, d'ailleurs, on a lancé avec d'autres apnéistes, dont Frédéric Buil, toute une campagne de sensibilisation à la plongée de proximité. Ça s'appelle Freediving Safety, jamais plonger seul, toujours plonger à deux. Et il y a la traduction en anglaise que je ne vous ferai pas parce qu'après deux jours de stage, on est très fatigué. Never freedive alone, always dive with a buddy, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on enseigne dans nos stages avec Stéphane et les autres apnéistes. Ne plongez jamais seul, signalez-vous et n'allez jamais au-delà de vos limites, si tant est que vous connaissiez vos limites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez rejoindre Pierre Frolla sur son site, pierrefrolla.com. Ou Stéphane Mifsud sur stéphanemifsud.com. Bravo Pierre. À bientôt. Ciao. Oui, bonjour, je suis donc Frédéric Germain, responsable communication chez Beauchard. Et ici, nous sommes donc à l'apnée à chaud, le premier salon sur l'apnée et la pêche sous-marine. Et on présente notre gamme complète de vêtements, d'arbalètes et d'accessoires de chasse sous-marine. Donc aujourd'hui, sur le stand Beauchard, là pour le week-end, on a donc voulu présenter toute notre gamme de produits, que ce soit palmes, arbalètes, vêtements, avec bien sûr nos nouveautés 2012, comme cette combinaison en lisse extérieur, refendu intérieur. Et comme on fait une double animation aujourd'hui, enfin ce week-end, avec Pedro Carbonel qui fait l'honneur de sa présence, pour faire des dédicaces sur des t-shirts, pour lancer sa tournée tout simplement en France, en commençant par l'apnée à chaud. Alors on est aussi ici pour lancer le Pedro Carbonel Tour, donc qui commence à l'apnée à chaud et qui est parti donc sur 7 dates autour de France. Et donc Pedro signe des t-shirts dédicacés pour animer un petit peu l'opération et faire plaisir à tous les chasseurs de France. Donc Pedro va vous parler tout simplement de son programme, de son palmarès, aussi pour 2012. Bon, maintenant je suis arrêté de la compétition internationale officielle, mais pendant ma vie de compétiteur, j'ai gagné 3 titres de champion du monde individuel. En Espagne 96, Tahiti l'année 2000 et 2002 à Brésil. Après j'ai fait aussi 4 fois de champion d'Europe individuel et 8 fois champion d'Espagne. Et bon, maintenant cette année, si vous nous voulez voir à Pierre, c'est les champions de France et moi, on peut nous voir encore au mois de septembre, qu'on va faire une compétition en double de la Coupe de Marc. Donc pendant que Pedro fait une dédicace, je vous invite à nous retrouver donc sur notre site internet beucha.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Roy, je suis champion de France 2008, et 11 fois champion de Corse, pêcheur professionnel sur Ajaccio. Je développe le matériel Beucha depuis les années 2000. Et puis je voudrais vous donner 2 ou 3 conseils pour la sécurité. La pêche sous-marine, c'est un beau sport, pratiquez-la à deux. Et surtout, pensez bien que le poisson ne vaut pas la vie d'un chasseur. Bonne pêche à tous.